Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous présenter l'oracle du temple de la déesse de Sarah Perini et de Elena Albanès. Donc c'est un coffret qui se présente ainsi. Voilà, j'ouvrirai après. Il y a 45 cartes et un livre d'accompagnement. Donc on vous dit, inspiré de la sagesse ancienne, ce superbe oracle créé par Elena Albanès et magnifiquement illustré par Sarah Perini nous invite à découvrir les multiples facettes de la déesse, ses énergies, ses éléments et ses archétypes au fil de la roue d'Avalon, et met en évidence les liens entre les différentes traditions qui honorent la déesse mère afin de nous mener sur le chemin initiatique à travers la méditation et les pratiques chamaniques ou divinatoires. Grâce à la puissance énergétique de ces cartes, vous pourrez initier un voyage d'exploration de la nature du féminin divin. Donc c'est un coffret qui est à 23,90 € aux collections Lo Scarabeo, que vous pouvez retrouver chez 3W. Édition-tredaniel.com. Donc on va découvrir le coffret qui est ainsi. Donc le livret se présente comme ceci. Regardez. Donc là, on a le sommaire, l'introduction, la déesse, tradition des anciens peuples proto-européen, la culture d'Avalon, comprendre la roue de l'année. Voilà. Le chemin de la transformation. Lecture d'une carte au quotidien. Lecture de trois cartes, donc c'est triple déesse. Les neuf cartes sur la roue de l'année. La structure de l'oracle, carte des déesses. Donc là, c'est la présentation des cartes. Quand vous tirez une carte, voilà. Vous avez la signification dans le livret. Alors, je vous laisse regarder un petit peu les cartes. Donc ça, c'est le derrière. Comme ceci, la tranche, il n'y a pas de couleur. Donc je vous laisse découvrir les cartes. Bon, elles ne sont peut-être pas dans l'ordre. On va les mettre comme ça. Hop, voilà. Voilà pour la présentation de ce jeu. Alors j'adore les dessins. Les illustrations, elles sont magnifiques, vraiment. Je trouve ça doux, je trouve ça beau. C'est vraiment, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.